Ok, on va se démerder. Et salut tout le monde. Salut, salut. Salut tout Bienvenue le monde. Bienvenue à tous. Eh ben, vous êtes déjà nombreux, c'est cool, ça fait super plaisir. Alors, je vois que le live de la triple initiative commence dans 24 secondes. Alors, moi j'avais vu 19h, donc j'espère que ça sera quand même 19h. On va voir. Alors, je vais tout de suite, au cas où, nous mettre comme ça. Ça, vous avez une vue sur ce qui se passe si ça commence. Hop. Je pensais vraiment que ça commencerait plus tard. Non, mais ça a l'air d'être ça, hein. Donc, c'est bon, on est parti direct. Ah non, bien. C'est bon, c'était un faux compteur. Oui. Ah la vache. Bon, tout va bien, tout va bien. Donc, je vais baisser un peu le son de... Ah, voilà, normalement, vous n'avez pas trop de volume de YouTube. On peut commencer à papoter et à tergiverser sur le sujet de la triple initiative. Donc, comme je disais, bonjour. Je vais dire bonjour à tout le monde. Bonjour, Xiz59. El Payo, hey, salut, comment tu vas? Salut, écoute, ça va super bien. Salut. Je suis dans le chat, hein. Ouais. Salut Spooky, salut Anturus, salut Negetsu, salut Sachadis, Rumin, Jastobart, Artmoni, Feitital, Alban, Artmoni, je crois que j'ai déjà dit bonjour, Vinash Chinel, Overlord Sama, Laurent Moselle, attends, 3 étoiles. Tu m'en laisses un peu, ou quoi? Ouais, vas-y, je te laisse faire la suite. Alors, juste avant que tu continues, dites-nous si les micros sont bien réglés l'un par rapport à l'autre, si vous entendez bien le volume, etc. Normalement, vous avez pas de musique dans les oreilles, vous avez celle de la triple I, donc ça devrait aller. Je te laisse la parole. Non, je voulais juste saluer... Eh bien, écoute, Vinash Sinel, il y en a un qui s'appelle 3 étoiles, il nous dit bonjour, bah, c'est très aimable à toi, 3 étoiles. Sacha 10, un certain Kozo, hello. Je connais pas. Présente ce garçon, ouais, très bien. Sacha 10, ouais, ok, Negetsu, salut Negetsu. Ah ben voilà, donc je suis un peu faible au niveau du son, entre autres. Eh ben je vais juste... je vais Negetsu, justement... ça c'est une... Vas-y. Vas-y, je t'en prie. Non, je suis content de voir nos quelques amis du Discord qui aiment les indés autant que nous et qui répondent présent. Ouais. Bon, après, tous ceux qui sont là aiment les indés, allez, merci d'être là. Et tout le monde devrait aimer les indés, c'est surtout ça. Alors, oui. C'est pas n'importe quel indé qu'on va voir ce soir, hein, il faut le dire quand même. Ouais. On va être sur du gros indé, des studios qu'on connaît déjà. Tous, hein, il me semble, ils ont tous déjà fait quelque chose. Où c'est au moins leur deuxième jeu, et c'est généralement des indés à gros budget, avec quelques exceptions, hein, en tout cas dans les studios qu'on a recensés. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors là, c'est toi, tu vas devoir m'aider, parce que là, j'ai pas le visu sur tout, malheureusement. On a Evil Empire. Ah, mais on t'entend plus? Ah bah voilà. Il n'y a plus personne qui t'entend, je te le dis comme ça. Non mais c'est bien qu'on soit en avance, comme ça tous les problèmes techniques, on peut les régler avant. C'est l'un des double A, ouais, je pense que Alban, on est vraiment à la limite du double A, je pense. En tout cas en termes de budget. Et oui, donc on a Evil Empire qui est là forcément, hein, ceux qui ont fait Dead Cells. On a... je suis désolé, j'ai tout plein de notes, faut juste que je les ressorte. Les voilà. Non, mais c'est bon, je suis revenu. Ah! N'est-ce pas? Mais oui. Donc, Evil Empire, Dead Cells, on ne sait pas ce qu'ils vont nous annoncer, mais on a hâte de voir ça. On ouais. a des petites idées, mais c'est plus des. Clairement, c'est au doigt mouillé, hein. Pire que ça même. Donc, il y a un mélange dans la liste annoncée par l'organisation, il y a un mélange de dev et de publisher. Donc dans nos petites devinettes qu'on a fait, on a supposé que des fois ils venaient pour le même jeu. Oui. Bon, il y a plein de noms de studios, on va pas vous abrutir en citant des trucs, on a nos chouchous. Moi j'ai repéré Thunder Lotus, que j'aime bien. Thunder Lotus, Spiritfarer, ouais, on aime tous les deux. Spiritfarer, Thundered, Jotun, voilà. Oui, donc, ouais, c'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont un 33 Immortals, yeah, en préparation. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils vont nous annoncer ce soir. 33 Immortels, clairement. Je pense, hein. Par contre, moi, je suis vraiment pas hypé par le concept de 33 Immortels, là.
C'est un... Donc ça joue à 33, en fait, tout simplement. Et rien que ça, déjà, moi, ça me... ça me plaît moyen. Je pense que ça va être un gros bordel. Mais pourquoi pas. Enfin, en tout cas, moi, j'adore le studio. Tout ce qu'ils ont fait, j'ai bien aimé. Donc, Ouais, clairement. Bah oui, faut regarder, alors... quoi. Attends, je reprends un peu le chat. DLC de Dead Cells, encore ? Ah non, ceux qui ont fait les DLC de Dead Cells, pardon. Qu'est-ce que vous dites ? J'avais vu DLC de Dredge, non ? Quelque chose comme ça, mais il y a déjà un DLC de Dredge. L'annonce du DLC de Dredge, ouais. Il y en a déjà un, peut-être un autre, mais j'ai pas vu le studio qui est derrière Dredge dans les studios cités, non. Sachant qu'il y aura quand même des surprises. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Oui, alors déjà, il y a quelques studios qui ont communiqué depuis et qui n'étaient pas dans le programme, donc on sent qu'ils ne sont pas tous listés. Donc, bah écoute, on souhaite des bonnes surprises. Mmh. Tout à fait. Attends, il y a ton chouchou, là, il y a Megacrit aussi, quand même, qui... Voilà. Ça, c'est... Alors, au-delà du fait que Roguelite, Megacrit, c'est ceux qui ont fait Slay the Spire. Donc, effectivement, j'attends fort ce qu'ils vont nous dire, parce qu'ils ont, il me semble, rien fait depuis. Donc très hâte de voir ce que ça va donner. C'est quand même, pour moi, en tout cas encore aujourd'hui, le meilleur roguelite deck builder. Donc à voir. Oui. Pourquoi pas. Clairement. Autre chose. J'espère autre chose. Est-ce que le chat peut me dire si mon son est toujours faible ou s'il faut que je fasse quelque chose? Moi, je peux te booster encore. Hein. Donc... Si jamais je peux m'en occuper. Booste-moi. On a Digital Sun Games aussi, je viens de voir dans les notes. C'est pas mal ça, ils avaient Moonlighter et The Match Seeker qu'on avait bien aimé tous les deux. Ouais. Et ils ont Cataclysmo, dont t'avais fait la démo quand t'étais à fond là, à faire toutes les démos du Steam Fest. Donc, t'avais bien aimé ça. Ouais, j'avais beaucoup aimé. Alors, c'est pas du tout mon genre à la base, parce qu'on est sur... un mix entre un jeu de survie, un jeu un city builder un peu, et un tower defense. C'est un gros mix entre tout ça. Par contre, l'ambiance est dinguissime. Et vraiment, le but, en gros, c'est de bâtir ses remparts, parce que c'est pas vraiment un château, c'est de bâtir ses remparts pour survivre pendant plusieurs jours à des hordes de monstres. Donc on a le temps de se préparer au début. Et l'ambiance marche du tonnerre, et les idées de gameplay, il y a quelques idées de gameplay qui sont très chouettes. En fait, tu peux empiler les bâtiments les uns sur les autres pour gagner de la place. Il y a pas mal de trucs très sympas. Je pense que ça va être un très chouette jeu pour ceux qui aiment le genre, et qui pourrait même, à moi, me plaire. T'es déjà tout hype. ouais, non, mais ça c'est clair. Ça, c'est clair. Toon, en fait, il adore la hype. Moi, je suis un peu plus sur la réserve, mais attends, avec tout ce qu'il y a ce soir, clairement. Alors, j'ai vu The Arcade Crew, dont j'avais jamais entendu parler avant, mais ça fait partie de la galaxie Focus, et Focus s'est réorganisé il y a pas longtemps. Donc, je sais pas si c'est ce qui remplace Dotemu. Bon, enfin, ça risque d'être. Si c'est le cas, ça peut être cool, parce que c'est un nom de studio que j'aime bien, ça. Ils ont fait des bonnes choses. Qu'est-ce qu'on a vu ? Ah bah, il y a... en parlant de chouchou... Alors là, pour le coup, il faudra m'expliquer si c'est vraiment du triple E, mais il y a Tankle qui a fait Vampire Survivor. Oui. Alors, ils ont annoncé sur Twitter, j'ai vu, du nouveau pour Vampire Survivor. Oui, donc encore des DLC... jeu, mais ce serait du contenu, quoi. Ouais. Yes. Ouais. Bon, moi j'ai lâché, c'est bon, hein, Vampire Survivor, j'ai fait le tour quand même. On verra ça tout à l'heure. Dit-il. Qu'est-ce que j'ai vu ? Oui, combien de temps la conférence ? Ils annoncent 45 minutes. Il faut pas dire le mot qui commence par S, c'est interdit. Quelqu'un l'a dit déjà ? Ouais, oh mais c'est écrit. Alors... Peut-être que ça va marcher quand même, on sait pas. Tout le monde l'espère secrètement, mais personne n'y croit vraiment. Enfin, moi, j'y crois pas du tout. Je crois que ces gens-là, donc on ne citera pas, ils ont renoncé, et le jour où ils vont l'annoncer, ils vont vous mettre une image fixe avec une date sur Twitter, et hop. Mais c'est tout. Hein. Enfin, et puis, ce sera génial comme ça. Hein. Mais je m'attends pas à autre chose. Je dis ça avec mon expertise légendaire, enfin voilà. Ah oui, non mais on est tous les deux de grands experts de la hype et et des attentes. Et de la communication. Non, mais oui, non, surtout que le cas en l'occurrence est tellement particulier que... Ouais, que personne ne sait. Ils vont pas se mettre à communiquer maintenant, enfin ça va être trop bizarre, enfin... Non, c'est foutu.
Mais bon, par contre, clairement, je fais ma fine bouche là, mais bon, voilà, je perds tout contrôle de moi-même s'il y a la moindre image diffusée ce soir, bien sûr. Évidemment. Je préviens, pour la régisson, ça va hurler. Tac, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est annoncé? Toi, c'est quoi, si tu parmi les studios qui ont été annoncés, si tu devais en choisir un qui vraiment te botte quand même? Yes, et bien, qu'est-ce que j'ai noté? Parce que j'ai tellement noté de trucs. Mais il y en a un qui me fait marrer, mais c'est assez bizarre, c'est pas du tout mon genre, et je suis pas sûr que ce serait vraiment le jeu qui me ferait vraiment kiffer, mais j'ai vu des images de Mouse. Oui. Alors, je sais pas, je pense que c'est un truc de hype sur Twitter, parce que c'est trop marrant les images, mais alors les noms des devs, ça doit être des nouveaux, enfin, il n'y a rien de connu là-dedans. Donc Fumi Games, et le publisher, c'est Playside Publishing, ils sont tous les deux au programme. Donc le jeu Mouse, si on va probablement voir des images, vous allez voir, c'est trop marrant. C'est en gros le vieux Mickey, là, Steamboat Willie, tu sais, le vieux Mickey un peu à la Cuphead, mais en mode fast FPS, brutal. Ça a l'air trop marrant. Bon, ça, c'est pas du tout mon genre, mais j'ai... Mais voilà. Oui, pour le concept, c'est cool, quoi. Ouais. Je sais pas, j'ai rien repéré. Attends, je regarde ça. Y a un Totemic. Alors, je sais pas si je l'ai rêvé, ce truc. Totemic, qui est au programme des jeux Humble Games. Alors, on sait pas s'il est au programme de ce soir, mais Humble Games est présent. Le truc, c'est que Humble Games, c'est un éditeur assez, enfin pas gros, mais enfin ils font plusieurs choses, donc on ne sait pas du tout s'ils viendront présenter celui-là ou un autre. Mais ça a l'air assez cool, un jeu top-down, action-aventure. J'aime toujours ces trucs-là. Ouais, sachant que moi je les ai vus annoncer qu'ils parleraient de Wizards of Legend 2, qui est un roguelite top-down. Donc ils parleront au moins de ça, et Totemic, effectivement, peut-être, je sais pas. Bon, bah, si c'est le seul que j'ai repéré qui n'est pas là. Non, il y en a quelques-uns. Bah, il y a Hyper Light Breaker quand même. Oui. Bon, allez, je vais pas faire la vie de bouche. Je suis curieux de voir les images. Je suis pas encore hypé. Mais j'ai du mal, hein. Moi, je suis lent. Hein. Vraiment, je suis pas un gars de la hype, quoi. J'attends de voir tranquillement. Non, mais alors, tu vois, là, je te suis complètement sur Hyper Light Breaker, parce que autant j'ai adoré leurs deux précédents jeux, donc c'était Hyper Light Drifter et Solar Ash. Autant là, j'ai l'impression de voir, hein, d'ailleurs, qui sera là aussi, Risk of Rain 2. J'ai l'impression de voir un peu ce même genre de jeu, donc ça me hype pas plus que ça. Ouais, bon, cela dit, ça a l'air pas mal quand même non plus, même Risk of Rain. Probablement des images ce soir aussi. Bon, je sais pas trop au niveau des paris, on a noté plein de trucs, mais c'est un peu vain. En revanche, si The Last Spell, peut-être. Oui, mais il est déjà sorti, celui-là. Ouais, comment celui-là, je sorti. Ok, d'accord. Il en a accès anticipé ou un truc comme ça, non? Non, il est sorti, il est sur Switch et tout. Donc ça doit être du contenu, ils vont montrer du contenu supplémentaire, je pense. C'est un... Okay. C'est pas vraiment un roguelite. Il a un petit aspect roguelite, mais c'est vraiment un tactical très très touffu. J'avais fait un let's play, je crois, sur la chaîne de streaming. Et clairement trop touffu pour moi. Le mec, j'ai rien suivi du tout, quoi, d'accord. Moi, il y a deux choses qui me chauffent grave. Alors, il y a Flintlock. Alors, lui, ça fait très longtemps que je le suis. Flintlock, c'est un action RPG en 3D par ceux qui ont fait Ashen. Ashen, qui est presque un Souls-like, plutôt bien réalisé. C'est l'un des seuls Souls-like que j'ai aimé qui vient pas de chez From Software. Bon, il l'annonce pas du tout comme un Souls-like, celui-là, mais ça va être un action RPG qui a l'air de bien bouger. Donc je suis assez chaud, parce que j'aime bien le studio. Et j'aime bien le genre. Et l'autre truc qui... Ah oui, bah oui, j'ai hâte de voir si... donc Pastèque Games, qui sont français. J'ai hâte de voir si ils vont enfin sortir Ravenwatch de son accès anticipé, avec une petite release console, ça ferait plaisir. Donc c'est ceux qui ont C'est vrai qu'il a l'air cool, ce jeu-là aussi. C'est ceux qui ont fait Curse of the Dead Gods, qui est un de mes roguelites préférés. Ouais, j'ai repéré un jeu de rôle aussi, Broken Roads. Bon, il y a des trucs. D'ailleurs, quand on fait la liste, j'espère vraiment. Voilà, ça fait un peu genre les indécrottables font leur marché, tu vois. mais je sais pas s'il va peut-être y avoir énormément de choses pour PC uniquement, quoi. Enfin, c'est toujours un peu ça le début des premières sorties indé. C'est possible. Alors, sachant qu'il y a quand même beaucoup de jeux dans la liste qui sont déjà en accès anticipé. Ouais, c'est une liste qu'on s'est fait nous, hein, à partir des noms des studios, on sait pas ce qu'ils nous réservent. Ah, moi j'ai vu des annonces... Oui, il y a eu des annonces.
voilà, les studios disaient on va parler de tel jeu, ce sont des jeux qui sont déjà en accès anticipé, donc moi j'attends pas mal de sorties d'accès anticipé, et on peut croiser les doigts, généralement quand il y a sortie d'accès anticipé, surtout sur des jeux qui ont ce budget, ça veut dire sortie console aussi par la même occasion. Ouais. Switch, c'est une autre question, mais console, oui. Effectivement, dans un premier temps. Ouais. Ouais. Yes. Salut, Linkeloan. Et ben voilà. Alors, il y a du nouveau monde. Combien on est t'arrives... Non, tu sais pas ça. Mais il y a si du nouveau monde, c'est parfait. On n'a pas salué Stolper Vlobrug. Ah, génial, les gens avec des pseudos imprononçables. Je pourrais faire comme Sullivan, écorcher des noms. Alors, bonjour, Stolper Vlobrug, Gojuju, Yaru. XY59, tu l'as déjà salué. Et donc, Linkewan, bonjour la famille. Salut les amis, merci d'être là. Yaspoki, mais on l'a déjà salué, mais bon, on l'a vu dans notre émission il n'y a pas longtemps, c'est cool. Effectivement, la petite famille. C'est ça. Hop. Bon, ça va pas tarder à commencer. On se donne rendez-vous après. Enfin, on va parler un peu pendant le showcase, mais en fin de showcase, on va débriefer tout ça. Moi, j'ai envie d'essayer de deviner. Quels sont les jeux qu'on hype et tune? Alors, est-ce que ce sera les tous? C'est possible. Tous les roguelites, je sais pas. Non, les roguelites, ça va être plus compliqué. Hein. Parce que surtout avec Megacrit et Pastek Games qui sont dans l'eau, je risque d'avoir du mal à me hyper pour d'autres roguelites. Oui, c'est ça, il y en a peut-être un ou deux qui vont tuer le jeu d'emblée. Quoi. Ouais. Yes. Quand ça va commencer dans le chat, n'hésitez surtout pas, j'ai l'habitude avec ma caméra sur là-bas, j'ai du mal, n'hésitez surtout pas à me dire si le volume de YouTube sera assez fort. Je peux l'augmenter, aucun souci. Eh ben, on va disparaître. Ouais, Sacha dit, il dit que tu vas aimer tous les RPG. Alors, je sais pas s'il a oublié une lettre, je crois qu'il a oublié le J. Je crois, mais je suis pas sûr, est-ce que c'est une blague ou pas? Bon, en tout cas, ça va commencer. Allez, c'est parti. Ah bah, ça commence bien. Hop. Ah ouais. Ah bah non, oui, d'accord. The World Premiere. Donc c'est des images sans animateur, hein, si j'ai bien compris, ça va défiler comme ça, de trailer en trailer, quoi. Ouais. Mais ça serait pas Crossword ? Ah non, mais ils peuvent pas nous faire ça. Hein. C'est pas celui-là qu'on veut. Il y en a un qui se réveille de son... Non, non. Ouh, ouh, ouh là là. Mais non, c'est Slay... Ah putain. Oh putain, oui, d'accord, ça envoie du lourd direct. Ah non. Ah bah c'est pas pour tout de suite, hein. Ah. Bon. Eh bah ça, ouais, ça commence fort. Ouais, ça commence fort, ouais. Ah bah ça, c'est Hyper Light Breaker, il me semble. Ah non, non. Ah bah tu vois, j'ai confondu Risk of Rain 2 avec le... Ouais, t'avais dit que ça ressemblait. Ouais, ouais, ouais. Avec le... Comment il s'appelle? Le Headless? Non, je sais plus. Enfin, le héros de Dead Cells, quoi. Donc une petite collab. Ah, ok, ouais, ouais. Bon, j'ai pas du tout réussi à accrocher à Risk of Rain 2. Ouais, ça, pourtant ça ressemble pas mal en termes d'image à Solar H ou ce genre de choses. Enfin, comme tu l'as dit. Alors ça. Ça, c'est encore un truc joyeux et tout pop. C'est pour moi. Ouh. C'est un survivor. Oh la vache. Ok.
Je sais pas. C'est Power Wash Simulator, après faut nettoyer le sang. Power Blood Simulator. Oh là là. Ah putain, ok. Je sais pas si c'est un action RPG ou si c'est vraiment un Vampire Survivor-like. Ah non, ça a pas l'air d'être un... Ça a l'air d'être un action RPG. Ah, tu penses? Au niveau de l'interface, sûr, hein. Ça a l'air... Bah j'en sais rien du tout, j'en ai jamais entendu parler. Si c'est un action RPG à la Diablo, oui. Ça va me botter grave. The city's got it all. Ok. Dead collectors, doctors, ça me cause assez. Enforcers, killers. Ouais. Now there's a new kind of killer in town. The bullet might have come from across the street, but the gun came from under it. Black market dealers are just like anybody else. They do their work, they clock out. Je marche, je devine à tâtons, hein, parce que j'ai pas identifié le jeu là, donc. Killers always leave a trail. All I gotta do is find them before they kill again. Ah bah oui, Shadows of the Doubt. Ok, et bah pourtant, eh oui, je l'avais noté dans, mais les images, j'avais pas remarqué que c'était du cubique comme ça. Oh bah ça c'est My Time at quelque chose, ça, j'imagine. Ouais. Oui, un nouveau My Time a été annoncé, My Time at je sais pas quoi. Ah bah non. Bon. C'est Our bah, Time at Sandrock, c'est le multi. Rien à voir. We didn't think the Viking raids could get any worse. The Danes are coming. Ouf. Bienvenue en 2000. A lord of England must take the land. ça pique un peu quand même, hein. And keep it supplied as it grows. Ah attends, je pense savoir ce que c'est. Bah moi aussi c'est Age of Empire. Attends, comment c'est déjà ça? C'est pas l'Aisara Summit Kingdom, un truc comme ça? Non. Ah non, c'est le truc avec les dinos. C'est... Oh, je l'avais noté. Quel enfer. C'est terrible. World of... T'avais noté World of Aria. Aria, c'est ça? Non, c'est pas ça. Dino Lords. Ah, voilà. Ok, tout est dans le titre en même temps. Ouais, c'est un STR, c'est un jeu de stratégie avec des dinos, pourquoi pas. Ah bah, Gestalt, tu vois, j'ai vu la notif ce matin. Ah ouais. Oh pardon, désolé pour la souris, toutes mes excuses. Donc un Metroidvania, hein, encore. Ouais. C'est vrai qu'on en a pas assez en plus ce stream. T'as fait une démo ou quoi de ce truc? Non, c'est juste qu'il me faisait de l'œil parce que je trouve qu'au niveau de la DA, il y a vraiment quelque chose. Ouais. Et ça bouge bien, les animations sont très chouettes aussi. Mais ça fait très 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 longtemps qu'il est en développement, donc va savoir, ça va peut-être être un Shadow Drop. Ça serait cool. Ouais, carrément. Non pas que j'ai envie de Metroidvania, je sors je sors d'un Metroidvania, mais bon. Tu sors d'un Metroidvania. Le 21 mai. Ah ouais, bah pas mal. Avis de Toon, c'est un bon Metroidvania, mais ça ne suffit pas. Eh, c'est possible. Bah voilà, il va y avoir enfin un bon jeu sur PlayStation. Arrête. Ah ouais, ça a l'air bien. Tout à l'heure passé à côté de ça. Enfin, pardon, on en a entendu parler, mais... Bon alors, qu'est-ce qu'ils annoncent? Non, c'est juste, pense, la sortie PlayStation. La sortie sur PS. Ok.
J'ai l'impression d'avoir un léger retard sur toi. Alors ça... Non mais ça c'est une update pour Vampire Survivor je pense. Hein. Parce que on est dans le même trailer j'ai l'impression. Ok. Ah c'est Rambo. Starship Trooper. Il y a de tout. Enfin bref, ça défouraille. Alors qu'est-ce que ça a pour... Ça non, c'est contrat, quoi dans c'est le... contrat. Dans le... Broforce. Non, non. Ah, il y a du multi. Je sais pas, il y avait déjà du multi sur Vampire Survivor. Alors ça... Oh, ça a l'air bien. Ah vache. Oh, par contre, les zooms, faut qu'ils arrêtent de faire des zooms sur Vampire Survivor, ça pète le crâne. Ok. Ok, contrat, et c'est bien. Contrat. Ouais. Ah, il y a déjà un mode multi. Ok, je savais pas. Oui, contrat, c'est ça. C'est ça qui est nouveau, c'est, j'imagine. C'est les skins contrat. Ouais. Ah, les persos de contrat. Bah, vu le succès du jeu, on peut s'attendre à des. Des partenariats, des persos ouais. De licence qui arrivent. Ouais, ça se fait beaucoup. C'est Flintlock, ouais. J'ai vu à 44 studios. Celui-là, dont on a parlé en préambule parce qu'on l'avait repéré celui-là. Ah bah voilà, Eric Hillman, enchanté. Je vais monter un peu le son. This beautiful mixture of dust and dirt and grime with magic and gods. Donc là, ouais, là, triple I, ok. Bah là. En même temps, Vampire Survivor, les objectifs de rentabilité en font un triple I, enfin c'est... en termes d'industrie, oui c'est ça. Ouais, Flintlock. Pour l'idée de combat dans ce game, je voulais que ça se sente très spécifique et spécifiquement petit. Ça c'est tout ce que t'aimes toi. Pour les gods, je voulais complètement dans l'autre direction. C'est sûrement super bien. Mais si je dois me mettre un Save the Like, je ferai l'original, un jour. Il faudrait que je surmonte mon aversion pour la Dark Fantasy. Mais je sais pas, ce sera probablement pas celui-là. Je pense pas que j'aurai les sous-titres FR, Sacha 10. Ça m'étonnerait parce qu'il y a qu'un seul stream, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est la traduction en YouTube. Ok. Ah oui, ça c'est clairement un jeu pour moi. Hein. Très 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 clairement. je devine, je le note, je l'avais noté dans ma... Alors ça... Aïe aïe aïe, j'ai regardé des images de tous les trucs que je croyais arriver, ça me dit rien du tout. Never Alone 2, ok. Il y avait un impec. Je sais pas, mais ça a l'air mignon, ça fait. C'est ça, Cataclysmo. Oui, oui, oui. C'était pas toujours comme ça. Exact, créateur de... Oui, bah oui, tout à fait. Our empire was lost, centuries of mist. Ouais, ça a l'air... esthétiquement, ça me plaît bien, ouais. The perlas, their infinite power, maybe. The horrors were born, and that day, the cataclysm began. We sought refuge on the peak, and we grew stronger. C'est vraiment un principe de mission, où la première mission, tu dois survivre 3 jours, ensuite l'environnement change. Night, ça fait un peu STR aussi, tu sais, jeu de stratégie. Comment on appelle ça, du... Puis, la musique. Ouais, c'est ce que j'écoutais. Esthétiquement, ça me plaît. Après, du merde, on avait ça, les trucs de survie, là, les attaques de zombies, là, tout ça, je m'en rappelle plus. Je sais pas. Je l'avais tout à l'heure le mot, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. Ouh, Diablo, je connais. Ah bah c'est Avalon, non, comment il s'appelle celui-là? C'est Avalo. Ah bah non, c'est encore un Survivor-like.
À la Los, ouais. Non mais il y en avait un que j'avais repéré. À la Lot, oui, bien sûr. Il y en a un que j'avais repéré, je me suis dit, ça c'est clairement... C'est clairement Diablo. Donc là, là il y a un peu de tout, là. Avec des mécaniques de Rogue, du Diablo... Vampire... Une interface personnage à la Hades. Pardon. Le mec insupportable qui voit que des références partout. C'est Death Must Die. Bien vu, The Shunit. Effectivement. Ça doit être ça. Ah bah oui, il vient de le dire en plus. Baisser le son de la vidéo. Oui, c'est fait. C'est fait. T'as vu? Ok, ça marche. This is not your end. Acte 2 coming après. Ah bah parce que le jeu est en accès anticipé, il me semble. Donc Ok, bon, c'est du contenu en plus pour l'accès anticipé. Ouais, bah Link Owen trouve ça vilain, les animations. Moi c'est ça que je trouve très vilain par contre. Ouais, là, c'est total de DR. Ouais, texture à fond, quoi. Off. We are pioneers of our time. Ou en même temps, c'est un city builder, t'as dit que t'aimes pas ça, donc... Ouais, voilà. Bon, c'est pas pour toi, ça s'adresse pas à toi, voilà. C'est un bridge constructeur aussi, visiblement. Il y a des dénominations de jeux que je l'avais pas, celle-là. Non, ça... Ça, il y a un seul jeu qui s'appelle Bridge Constructor. We live. To survive. Ok, original, post-apo. Endzone. Endzone okay. 2, original. Alors ça apparemment... celui-là, il a un vrai petit succès, celui-là, apparemment. Oui, voilà. Un jeu d'automatisation, si je dis pas de bêtises. Et visiblement de survie aussi, parce qu'ils ont l'air de survivre contre des hordes. C'est pareil, c'est en early access, ça, déjà. Ouais. C'est déjà en... Death Stranding, le premier bridge constructeur. Ouais, pas mal. Original comme trailer, ça nous montre pas oui. Grand-chose, mais... Là, c'est pas le même jeu qu'avant. Bah si. Bah, on a vu. World Premiere. Undermine 2. Je connaissais pas Undermine hier. Hein. Okay. Mais c'est clairement ça, je pense. Donc roguelite classique, hein. Très classique, visiblement, ouais. mais très efficace. Hey, Just a Bart, salut déjà. Je sais pas ce qu'ils font là, parce qu'ils vont pas annoncer de version physique dans ce showcase. Hein. On est même plutôt vers les accès anticipés, donc effectivement... Oh non, déjà ouais. C'est de la hype à long terme. Ok, que de la wishlist, pas de date. Oui, il est beaucoup plus joli que le précédent. Un gros step-up. Oula. Ouf. Ah si, c'est joli vu de près. Donc l'Early Access commence le 16 mai. Ouais. Ah oui,
Ça c'est what the car. What the car, ouais. faut vraiment que je me mette à cette licence parce que donc, what oui, the golf, ça, what c'est... the bass et ça parce que ça a l'air vraiment fun. Ouais, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est ceux qui ont fait what the golf. Mm. Et donc c'est what the fuck quoi, on est totalement. Je vous laisse comprendre le concept par vous-même, c'est clair. Bah, le concept, c'est justement qu'il n'y en a pas. Voilà, donc tu peux faire des roulades. Je pense qu'il faut jouer pour se rendre compte que en fait, c'est des pures doses de fun. Ah, il y a une démo. Ouh, dis donc, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans les jours qui viennent? Comme si tu savais pas déjà. Je veux dire intercalé dans ton programme, quoi. C'est ça. Jastobar, t'as déjà fait What the Golf deux fois. Ben voilà, quelqu'un d'amusant. Salut Bowl, ouais. Donc on est à mi-chemin. Brought now to the fore. Ou Red Hook. Ah bah oui, évidemment. Oui. Qui est encore en accès anticipé, je crois. Ou juste pas sur console. And in that nighted gloom, donc moi je vois bien une sortie console. Is under siege. Ouais. Le premier était également sur Switch partout, donc on peut s'attendre. Righteousness reinforced. This realm must stand fast against those who would seek to poison it and bleed it. Bien différent du premier apparemment. Premier auquel j'ai pas accroché d'ailleurs. Ah non. Un nouveau mode de jeu. Bon, bah pas hype. Ok. Ouais, c'est une sorte de... Ouais, oui, c'est un rogue. Growing up, we were heavily inspired by retro platformers, anime and graffiti, and wanted to share all that love with the world with our own very first video game. Rakugaki. This is the first project we have created together as a team, and we are very proud to be both published by Gearbox Publishing as part of Riot Games Underrepresented Founders Program. Now, here's a first look. World premiere. They erased everything that made our city great. Our art, and even the people. Scrubbed. Bon, il y a une DA. Mm-mm. Ah, il y a moins une DA. Allez, des images en jeu. The only way to resist to get our voices back. Ok, on sait pas du tout ce que c'est. Bah et ouais. Ça arrive cet été. Il a parlé de rétro platformer, le dev tout à l'heure, ouais. Avant de lancer le. Ok. Donc ça se trouve, ça sera un truc en pixel art. Ça pas plus mal, moi ça me va. Oui. Ah, ça. Broken Roads is a post-apocalyptic narrative-driven RPG set in the desolate beauty of the vast Australian outback. To survive, you'll have to make tough choices guided by the moral compass, an all-new alignment system that will test your worldview against nihilist, humanist, utilitarian. Faut s'attendre à une résurgence des classiques RPG comme ça. A surveyor or a member of a barter crew.
Oui, clairement. Avec le succès de Baldur's Gate 3. Ouais, mais après, ça arrivera pas tout de suite, hein. Oui. C'est des jeux qui sont quand même longs à développer. Hein. Alors, moi j'aime bien, ça me plaît bien ça. Broken Roads is available now. Esthétiquement aussi, ok. Et ben voilà. C'est dispo maintenant. Avalon has been reduced to the shadow of a bygone age. Nightmares have breached the last standing bastion. Encore un roguelike. Ah mais c'est Ravenwatch, ça. Ouais. Ils avaient dit, hein, c'était annoncé, ils avaient dit ça hein, en mode blague, mais ils avaient dit on peut s'attendre à un certain nombre de roguelikes. Mmh. J'aime toujours autant la DA. Ravenswatch, heed my call. I am Morgan. For Avalon. And return my dear brother. Salut à Shinrei. Bon allez. Ah, c'est tout. Ah ouais. Ouais, ok, une update pour la pour l'Early Access. Oh non, je suis déçu. Moi, je voulais une sortie console. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est pas le Zelda-like de chez Yacht Club? Mmh. Ah oui! Merci Spooky, c'est 4 Quest 3. Évidemment. Donc c'est bien Zelda-like, effectivement, 4 Quest 3. Après 4 Quest 1 et 4 Quest 2. Genre je les connais. Ouais, non mais si. Moi j'avais essayé 4 Quest 1, j'avais pas trop accroché. C'est plus RPG, c'est pas des Zelda-like, hein. C'est vraiment très... très RPG. Ah bah il est là, okay. Hyper Lightbreaker. Mais oui, bah évidemment, il était annoncé. Bon, on regarde quand même, on regarde. Moi, c'est la génération procédurale et l'open world, je sais pas. Je suis méfiant. J'ai peur qu'ils perdent leur ADN avec ça, parce que c'était un studio qui nous avait régalé par son level design jusqu'ici. C'est clair. Mais quand. Enfin, vu la façon dont j'ai apprécié les deux premiers jeux, de toute façon, je vais pas être indifférent. Je vais surveiller, quoi. Ah, ça arrive cet été en early access. Ah, purée. Ça fait un paquet de Early Access, hein. Ouais, je suis d'accord. Ah bah ça, c'est The Last Cell. C'est vraiment Steam, hein. Mais ouais, beaucoup d'Early Access, bah de toute façon, je pense que maintenant, avec ce qui se passe et tout, dans la sphère jeux vidéo, ça va être certainement le meilleur moyen de s'autofinancer. Ouais, du contenu supplémentaire pour The Last Spell. Ouais, tu vois, quand tu vois les menus, tu fais « Oh !» C'est un très Alors, très bon Billard, jeu. Hein. Alvand Billard, tu nous dis, ça me parle bien ça. De quel jeu tu parlais? Tu parlais de Hyper Light Breaker ou de The Last Spell? On est quand même pas du tout dans le même genre de jeu. C'est clair. Moi, il y en a un qui me parle bien et l'autre pas trop. Voilà. Hyper Light Breaker. On est d'accord. Ah, alors ça, c'est le City Builder à flanc de montagne. J'ai plus le nom en tête. C'est très très joli. Effectivement.
Et apparemment, t'as vraiment donc une gestion de la verticalité, ce qui pour le coup est un twist dans un city builder, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est marrant quand même de trouver des twists comme ça. Ouais. Oh, l'avalanche. Ben voilà, on construit des ponts là encore. Bon, décidément, il y a un truc là. C'est la fin des roguelites. Je prédis la fin des roguelites et le bridge constructor qui arrive en France. C'est, là, franchement, je pourrais jouer à ce jeu juste pour la DA. Ouais, c'est l'Aisara Summit Kingdom. Ah, c'est magnifique. Ouais. Oui. Tout à fait. Alors celui-là, je l'avais noté. J'ai juste essayé de faire un truc. Non, je suis déjà en feu. Ah, mais c'est Wizards of Legend 2. Tout simplement. Je pense, hein. Donc encore un regret. Ah, je sais pas, il y a quelque chose là. T'en penses quoi de ces contours noirs là, un peu flous, hein? Bah, disons okay. Que c'est. Comme Curse of the Dead Gods, mais en moins joli. Okay. Je sens une patte un peu similaire. Pas moche, nous dit Bowl, c'est un avis. Non, je pense que le pas moche c'était pour. Oui, d'accord, pardon. Pour okay. L'Aisara. Bah, du coup, oui. D'accord, effectivement, ça s'applique un peu mieux à l'autre. Let's cool. Bah oui, école buissonnière simulateur. Ok. Non. Ok, c'est Bah ça au moins ça arrive sur les consoles. En 2024. Ouais, ça fait penser à un... Comment ça s'appelle ? Oh, Brotato ! Ça fait penser à un... Let's... Non, comment ça... Two Point Hospital, genre de truc, ça faisait penser. Oui, bah tous ces trucs-là, bien sûr. Ouais. Brotato. Assez gros succès, un jeu, je crois. C'est vrai ? Oui, c'est... Même s'il a un gros succès, c'est pas assez, il mérite plus. Okay. Ok, d'accord. Non, c'est une pure dose de fun. Ouais. Bon bah du coup, qu'est-ce qu'il va vous sortir du mort. Contenu quoi. Ah, du contenu co-op, c'est ça. Ouais. Ok. Et DLC, hein, et DLC. C'est... Oh, c'est Chia, ça. Ouais. C'est Chia. Oui, effectivement, les devs de Chia avaient annoncé quelque chose. Alors, est-ce qu'ils vont nous parler de la sortie Switch? Non, je pense pas. On a vu la Switch. Effets, donc, oui, c'est ça. Bah ouais, mais... Ils ont déjà communiqué là-dessus, donc peut-être un DLC, ce serait bizarre, puisqu'ils ont dit définitive édition pour la version Switch. Bon, on va voir. C'est peut-être juste une manière de rappeler à tout le monde qu'ils sont présents sur Switch. Ouais, vu les textures, c'est Switch, oui, c'est possible que ce soit un trailer Switch. Si c'est le cas, ça a l'air de tourner plutôt bien. Ok, donc ils avaient déjà annoncé la sortie Switch, mais un rappel ne fait pas de mal, ok. C'est juste ça. Streets of Rogue 2. Streets of Rogue 2 is a high-octane RPG sandbox set in a vast, randomly generated open world. Donc là, c'est triple I, c'est clair. Our goal is to create the most open-ended and fun sandbox experience ever. Je sais pas. Ah non, mais c'est un gros jeu, c'est un open world et tout. Hein. In Streets of Rogue 2, your mission is to overthrow a corrupt president of a small country, either solo or with friends via online co-op. How you reach your goal is completely. Je pense que t'es pas loin d'un GTA like en fait, hein. Assemble a mercenary army and plan a coup. Stage a zombie virus outbreak. Or just chill out, build a farm, and totally ignore the main quest.
Pick from a diverse roster of playable character classes, each with their own unique, weird traits. Take a look at these glorious bastards. Hacker, chef, cultist, wrestler, detective, ninja, also gorilla, and werewolf, and investment banker, and many more. Be sneaky, or go guns blazing, or make others do your dirty work. Get inventive and experiment. There are multiple ways to complete each mission. Non, effectivement, ma match à chat, j'ai pas accroché à Tchia. Weapons, gadgets, moi, j'avais bien aimé. Vehicles, machine guns, autant le trouver exceptionnel, j'avais trouvé ça cool. Check. Supercars and speedboats. Check. Boomboxes, banana peels, rat summoning ocarina. Je suis pas énervé contre ce jeu, hein, mais c'est pas grave, ça m'a pas touché. Il y en a plein de jeux comme ça. C'est bon, on en a du. Il est loin le trailer. Hein. Ouais, SimCity. Ah, écoute, pour l'instant, ah oui, j'étais censé faire une liste de ce qui me hype. Très bien. Je vais la commencer maintenant. Ça, là, on est sur un jeu très très typé PC. Ah oui. Oui, effectivement, le trailer précédent, il a vraiment tout balancé. Ouais. Non, mais cela dit, le jeu promet d'être super grand, donc... Je pense pas, quand même. Mais c'était trop long. Ah, oui. Palworld. On avait vu qu'il serait là. Oui. Ah, c'est tout faible, le son, du coup. C'est marrant, y a pas le même... Ah bah c'est... ah, c'était tout petit Palworld, c'était juste pour dire « Oh coucou, on est là !» Ouais, c'était bizarre ça. Donc, enfin, on n'a pas assez parlé d'eux ces dernières semaines. Ouais, ça doit être ça. Mmh. Ça c'est 33 sentinelles ça. On reconnaît bien la patte... Ouais, carrément. De Thunder Lotus. Des, hein. Du dessin, ouais. Dessin et animation. J'ai raté l'info Palworld Arena. Alors oui, ça doit être un nouveau mode. C'était trop rapide. Oui. Bah ça, tu vois, c'est pas du tout mon genre de jeu, mais strictement, ça me parle toujours un peu. J'aime vraiment bien ce qu'ils font. Ouais. Après, faut voir à quel point, parce que jouer à 33, c'est quand même... c'est trop, quoi. Donc, à voir... je sais pas, je suis curieux quand même. 33, c'est un maximum, non? Oui, c'est un maximum. Ouais, d'accord. Mais bon. Du coup, ça marche comment? C'est-à-dire que t'es forcément sur un serveur avec des gens qui viennent, qui s'en vont. Ouais. Ah, tu vois. Ouais, c'est... je sais pas, il y a... Je sais pas, j'ai un petit manque de réactivité sur les images. Bon. Ça fait un peu mollasson, je suis d'accord. Ouais, je sais pas si c'est ça, si c'est mollasson, si c'est les animes... Ouais, bon, voilà, on va dire ça. Après, les dessins, ils sont tellement fabuleux. Yes. Ok. 24 mai, ça approche. Ah bah c'est Mickey ça. C'est Mickey Chouffeur. Ah c'est Mickey, ça me fait marrer. Moi ça me fait marrer ça. Ah y'a même du Popeye là-dedans. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est bon enfant, on est bien là, c'est sympa. En vrai, si c'est bien fait, c'est un Doom-like avec Mickey, quoi. Avec une super DA. Ah ouais, c'est un fast FPS, bon, mais avec une DA Mickey. Steve O'Twilly.
Bon, tout est dit, hein, c'est le jeu. Ça se présente oui. en. Ça se pitch en deux secondes, quoi. Ah, Stunlock, c'est V Rising, je crois. Hein. Ça ressemble à V Rising, en tout cas. Qui a eu un gros succès à sa sortie en Early Access. Mais ouais. ça fait un moment qu'il y est, je crois que ça fait depuis 2022. Donc on peut s'attendre à une sortie, là, cette fois, un truc carrément sûr. Ouais, mais regarde, tous les autres, je m'attendais à des sorties d'accès anticipé. Il n'y en a eu aucun. Ouais. C'est fou, mais il dure vraiment... Enfin, il y a certains Early Access qui durent super longtemps, quoi. Voilà, on sait pas, ok. En tout cas, lui, il est annoncé sur console en 2024, donc... Je pense que s'il y en a un dans le lot qui doit sortir d'Early Access, c'est le plus probable. Ouais. Après, on est vraiment sur un jeu de survie, hein, si j'ai bien compris. Donc où tu te craftes ton royaume et tout, machin... Ah bah non, c'est encore c'est de l'ajout de contenu. Legacy of Castlevania. Ok. Donc c'est... Ouais, to be announced encore en... 2025, j'ai pas vu ça aller trop vite sur PlayStation 5. Non, en 2024. J'ai vu mai. World Premiere. Le 8 mai, je crois avoir vu 8 mai. Ah. Ah. Ah, ça c'est joli. Mais bon. Et donc c'est bien ce que vous pensez. Ah oui, d'accord. Ok, je l'ai. Ah bah il court sur le mur, c'est bon, t'as compris, hein. Bah oui, c'est Aladdin. Non, non, mais même le look, je sais pas pourquoi j'ai pas capté plus tôt. Okay, ouais, okay. Oui, oui. C'est Prince of... Persia. Effectivement. Featuring Evil Empire. Ceux qui avec ont fait Dead Cells. Ouais. Enfin, featuring, c'est pas featuring, c'est eux qui le développent, hein. Alors du coup, on voit pas c'est quoi le jeu. Alors, c'est ce qu'ils nous font un roguelite ou... Si jamais, alors oui, ça va être un roguelite. Si jamais il y a une vidéo qui va arriver sur la chaîne, Sully a pu faire la preview. Donc elle devrait popper là, maintenant, sur la chaîne. Incroyable, toujours à la pointe. Ah bah voilà, on va voir un peu de gameplay. Oh. C'est les mêmes musiques que le Prince of Persia qu'on a eu là. Ah, c'est marrant. C'est pas mal. Hein. Tu vois, les roguelikes, tu sais très bien, c'est devenu un gag entre nous. J'accrocherai jamais, mais je sais pas. Celui-là, il me fait vraiment de l'œil, quoi. Ah bah là, moi, c'est direct. Hein. Ah, je sais, oui. The Rogue. Ça a l'air vraiment cool. Prince of Persia, The Rogue. Oh, encore un Early Access. 14 mai. Trop bien. Alors celui-là, on sait pas combien de temps il va rester sur PC. Ouais. Ah bah 45, bah c'est fini. C'est fini. Donc en fait, lui, ils se sont dit, tiens, Prince of Persia, on va relancer la liste. Hein, on va faire un Metroidvania et un roguelite. Quoi. Bon, en même temps, ils auraient tort simplement. Enfin, si celui-là est aussi bien dans son genre que l'était l'autre. Ouais. Est-ce qu'on va avoir un One More Thing ? Quoique ça faisait un joli One More Thing, le Prince of Persia, quand même. Ouais, ça ressemble à une dernière annonce, ouais.
Ouais. Voilà, voilà. Je vais remettre nos têtes. Yes. Tac. Bon. Bah, je suis moins hypé que ce que je pensais quand même. Hein. Ouais. Effectivement, moi aussi. Alors. Ah oui, là, c'est ça, je peux sortir des noms de jeu. Non, alors, pour toi, franchement, rien. Ah non, j'ai rien. Oui, t'as rien vu qui. Ah ouais, j'ai rien vu qui. Si, le CRPG à la limite. Broken Roads. Ouais. Oui. Bah voilà, bah, je l'ai dit pendant le truc, mais je suis en train de chercher, hein, mais je. Ah si, le dernier là, mais je vais encore être déçu parce que j'accroche pas à Roguelite, mais oui, sinon ça a l'air cool. Ça a vraiment l'air cool, le dernier Prince of Persia. Et puis ouais, le CRPG qui alors attends, c'est celui-là qui est annoncé sorti tout de suite là, il y en avait qu'un je crois qui était Out. Oui, c'est Broken Now, Rose. Attends, j'essaie de le retrouver. Ouais. Donc ça c'est où est-ce qu'il était plus là, je crois que je suis tombé dessus. C'était lui. Ouais. Ouais, voilà. Bon, attends, je vais baisser un peu le son parce que on a compris. L'esthétique est cool, même si c'est un peu attendu pour ce genre de jeu, mais voilà, ça dépendra vachement de l'histoire, en fait. Quoi. Ouais. Donc, je regarderai. Sur quoi, du coup, que sur PC? J'ai pas vu. Globalement, j'ai vu que du... Ah non, il y a les consoles Xbox, ouais. Et PS, ouais. Et ben, c'est ça. Ah, il est sur le Game Pass, Artmoney? Eh ben, écoute... Moi, je suis toujours aussi chaud pour ça, là, ce qu'on est en train de regarder. Mais je sais pas s'il sortira un jour d'accès anticipé, c'est ce qui me fait souci, parce que s'il y a bien un truc que je déteste, c'est jouer sur mon PC. Donc, surtout à ce genre de jeu, quoi. Ouais, oui, encore. Les roguelites, si c'est pas sur Switch, c'est compliqué. Je vais finir par m'acheter un Steam Deck. Ah non. ah oui, Alban Billard, merci, effectivement. Hyper Light Breaker, je sais même pas pourquoi je l'ai oublié, même si on n'a pas vu grand chose. Voilà, quand même, ça reste, ouais. Ça reste un jeu que je suis. Et Slay the Spire 2, on n'a rien vu du tout, mais de base, il m'en faut pas plus. J'avais adoré le premier, donc oui, bien sûr, j'ai oublié, c'était le tout premier truc et ça a duré 2 secondes, mais je l'ai oublié, il y avait ça, ouais. Slay the Spire 2. Eh bien, écoute, Chozo nous fait une petite liste là. Tu retires 4 Quest 3 et voilà, j'ai la même que lui. Ouais, non, moi je. Qu'est-ce que je rajoute par rapport à ça? 33 Immortels, je reste curieux. Je reste curieux. Ouais. Donc, Slay the Spire, oui, évidemment. Évidemment. Surtout que là, je pense qu'on va enfin avoir des jolis visuels. Parce que s'il y a bien un truc qui manquait au premier, c'était des jolis visuels. Donc, ça serait cool en fait. Donc oui, ça très 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 chaud, évidemment. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait Early Access en 2025, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, c'était... C'est-à-dire qu'on l'a vraiment pas tout de suite, quoi. On l'a vraiment pas tout de suite. Cataclysmo, ça prend un temps fou. Ouais. Cataclysmo, je suis ça chaud. Ça prend un temps... Ouais, pardon. Ouais. Mais Cataclysmo, effectivement, c'était chouette. Non, mais équilibrer un jeu de cartes de cette envergure, ça prend un temps fou. Oui. Ils avaient mis un temps dingue pour le premier, donc bon, voilà. Moi, j'aurais été curieux de les voir nous sortir autre chose, tu sais, quand voir ce qu'ils peuvent... Bon, en même temps, c'est ça qu'ils savent faire, les mecs. Ils équilibrent des deck building à la perfection. Par contre, ça peut leur permettre peut-être de faire autre chose, à côté. Tu vois, ça ramène la moula. Et puis après si les gars savent faire ça et puis ils savent juste faire ça, c'est déjà énorme, quoi. Enfin, c'est pas du tout la même compétence de faire autre chose. Mais ouais, non, mais franchement, c'est monstrueux, hein, Slay the Spire. Là, ce qu'on est en train de voir, si c'est pas un Vampire Survivor-like, je peux être grave chaud parce que j'aime beaucoup la façon dont ça bouge. Death Must Die. T'es sûr que tu parles pas de Kill? Le truc que j'avais dit, il faut nettoyer le sang, là. Oui. Comment ça s'appelait? C'était pas Death Must Die? Non, il y avait Kill dans le titre. Kill Knight. Tu fais quoi, là? Oh, je sais plus. Le truc, ça veut rien dire, Kill Knight. Non, t'as raison. Mais c'est sûr que c'est ça, c'est Kill Knight. Kill Killed, ouais, je sais plus. Ouais. je sais voilà, pas. Voilà, donc il y en a deux. Ils se ressemblent trop, tous ces jeux-là. Ouais, c'est ça. Vrai, c'est vrai. Non, mais c'est à lui que je pensais. Lui, si c'est un... Par contre, le trailer, il est...
Je vais me renseigner sur celui-là, parce que si c'est vraiment un action RPG, plus que juste faut survivre 30 minutes, ça peut me botter vraiment. Mais yes. Ouais. Sur Switch, j'avais pas vu. Ah, il sort sur Switch aussi ? Purée, ouais, tu fais bien de le dire. Attends, je reviens juste un petit peu en arrière. Coming 2024, sur Switch, ouais, partout. Cool. Je vais vraiment me renseigner sur celui-là. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre Gestalt. D'ailleurs, j'étais dessus. Oui. En mai. J'aurais dû noter, mais ça va trop vite. Ouais, Gestalt, bien sûr. C'est ça, en mai, je crois qu'il sort. Mais il y a trop de jeux qui sortent en mai. Oui, dans les annonces, là, outre les Early Access, il y a eu pas mal de mai, ouais. Ouais. Salut le Domaine Azuki. Salut. Qui nous rejoint. On a eu... Alors, j'ai pas eu des grosses surprises, je m'attendais à... en même temps, quand j'ai vu qu'il y avait Megacrit qui était là, je me suis dit, c'est soit Slay the Spire 2, soit un truc, comme tu dis, soit un truc vraiment différent. Et en vrai, Slay the Spire 2, c'est la surprise qui fait super plaisir. Je suis bête, le Dead Cells, The Prince of Persia, aussi, évidemment. Ah oui, bien sûr, évidemment, oui. Qui reste une surprise pour la plupart des jours. Moi, nous, on était au courant un tout petit peu avant, mais en vrai, c'est une méga surprise. Ouais. Non, ils ont pas parlé de la sortie Switch de Fading Afternoon. Non, mais c'était pas très orienté Switch, hein, clairement. Bah beaucoup. En fait, le problème, c'est que c'est beaucoup d'early access. Au-delà du fait que c'était pas orienté Switch, c'était vraiment beaucoup d'early access. Et moi, qui suis du genre à pas prendre les jeux en early access, parce que j'aime bien avoir mon jeu complet et puis pouvoir le faire d'une traite et après l'oublier ou pas. Mais oui. Ouais, sinon t'as le sentiment de devoir y revenir, quoi. Bah c'est ça. C'est ça. Ça dépend comment est l'early access, en fait. Si c'est le jeu complet et que c'est juste l'early access pour dire c'est de l'équilibrage et tout, ça je pourrais m'en accommoder. Le problème, c'est que t'en sais rien quand t'achètes le jeu en early access. Tu sais pas si ça va être genre le premier chapitre. Là, on a vu qu'il y avait un acte 2 qui arrivait pour je sais plus quel jeu. Mais c'est pour l'early access, mais c'est-à-dire que en fait, c'est une démo. T'achètes une démo et puis au fur et à mesure, le jeu va se construire dessus. Donc bon. Ouais. Non, ils ont pas parlé de Fading Afternoon. De toute façon, oui, Domaine Azuki, c'était pas du tout une conf orientée Switch, hein, comme disait Payo. Donc. Lastly Access. Ouais. Non, des belles surprises. Et puis moi, des jeux qui me hypaient déjà avant et que je suis toujours hypé pour. Je savais rien du Prince of Persia Roguelite, là. Et franchement, ça fait son petit effet quand même. Ah, moi, j'avais aucune idée de la tronche qu'il aurait par contre, et je le trouve plutôt joli. Ouais. Flintlock, mais ça, Flintlock, il m'a rien montré de plus que. Qui m'ait donné plus envie. Je voulais juste voir la date de sortie. Où est-ce que c'était ? Je me rappelle plus. C'était. Ah, j'étais presque. Alors. Flintlock. Ouais, Flintlock, c'est ce qu'on fait à chaîne. Okay. Summer 2024. Et donc pas d'early access pour celui-là. Mais celui-là, je suis grave chaud. Mais depuis que je l'ai vu. Hein. Ok. Je voulais regarder, c'était Kill Knight. Kill Knight. Ah oui, ça c'était quoi alors ? Parce que ça, je. Ah oui, ça peut être cool, c'est vrai. Ça avait l'air mignon, ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Après, on n'a rien vu du jeu, mais ouais, je sais pas. Enfin, l'ambiance est mignonne, ça me parle bien, c'est joli. Ouais, c'est mignon, quoi. Never Alone 2. Ah oui, c'est ça, on avait rigolé en disant il y avait un. et Spocky avait dit oui, il est même sur Switch. Eh ben, je vais aller regarder ça. Le 1, à quoi il ressemble. Mais puis là, tu vois, je vois en plus Cataclysmo, il y a quand même des très très chouettes jeux qui ont été. Alors, soit dont on en a vu plus. Le truc, c'est que vu que moi j'étais quand même assez bien informé, j'ai pas eu de grosse surprise. Ouais, c'est Tower Defense le mot que je cherchais tout à l'heure. Oui, il y a vraiment un côté Tower Defense. Ça me revenait plus. Ouais, bah là, au premier titre, ouais. Premier degré. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles ? Bon, je trouve pas d'infos sur Kill Knight. Je sais pas. Tu veux quoi comme info ? Mais savoir ce que c'est ?
Parce que les trailers montrent, pour moi, ils montrent un Vampire Survivor-like. Si c'est un Diablo-like, oui, d'accord. Ouais. Ok. Ou si c'est un truc avec un peu plus d'histoire, ce genre de truc. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de bons Diablo-like. Oui, y compris en Diablo. Non, je sais pas. À ce qui paraît, c'est vachement mieux maintenant. Et bah, y a lui aussi dans la... Alors lui, je pense que c'est vraiment pour le coup un Diablo-like. Quand tu vois l'inventaire et tout comme ça. Ouais, ouais. Donc lui, c'est l'autre que je disais tout à l'heure. Death Must Die. Ouais. Et du coup, Gamera Interactive... Ouais. À moins que ce soit un roguelite. C'est possible aussi, hein. Ah, celui-là, quand j'ai vu les images, j'ai eu l'impression que c'était un mélange de tout, quoi. J'ai un peu trollé le truc. Oui. Kill Knight is a Hades-inspired isometric arcade shooter set. Très bien, merci XY59. C'est quoi ? J'ai pas vu, du coup. Eh bien, c'est un shooter arcade isométrique inspiré par Hades. Mais c'est pas un shooter ? Je sais pas, je lis les mots à l'envers. Tels qu'ils nous ont été rapportés. C'est vraiment, ça faisait vachement plus à Ken Slash quand même. Mais ouais. Hades Inspire, donc on va encore sur du roguelite. Ah, il y a des mécaniques de rogue, on voit dans le trailer. Ok, et donc Death Must Die, ça va être aussi un roguelike. Okay. Celui qu'on vient de voir là. Bah, décidément, okay. On a un paquet, ils nous ont pas menti. Ouais. Bon, bah déjà, ça est crème pour moi. Ouais. Bon, bah voilà. Alors, puisque Spooky est toujours là, du coup, il vaut quoi le premier Never Alone ? Oui, bonne question. Notre éclaireuse. Pour Kill Knight sur Steam, ils mettent Hack and Slash. Malheureusement, on reparle de tous ces jeux dans 2 ans, ouais. Ouais. C'est un peu le sentiment que j'ai aussi, mais peut-être que c'est nous le problème. Et qu'il faut qu'on commence à faire les accès anticipés. Parce que c'est comme ça qu'on consomme les jeux. Je sais pas. Non. Bah, je sais pas. Enfin, tu sais, là, déjà, dans l'année, tout ce qui est prévu, en dehors de ceux qu'on a vus là, il y a déjà de quoi combler notre année. Donc, même si ça sort qu'en 2025, moi, ça me va. Il y a bien aimé le premier Never Alone. Eh ben, très bien. Ok. Après, s'il est là, logiquement, c'est-à-dire que le premier a déjà eu du succès, quoi. Ouais. Il sort quand Never Alone ? Le 2, je sais plus quand est-ce qu'il sort, du coup. J'ai vu du avril, je sais plus si c'était celui d'avant ou celui par là. De toute façon, tout. Soit c'est des prolongations d'accès anticipé, soit c'est avril-mai. Hein. Non, il y a un jeu, c'était Summer. Je sais plus celui que t'as cité tout à l'heure. Mais sinon, ouais. c'est des choses assez proches. Hein. Ouais, même si c'est de la sortie, même s'il arrive en accès anticipé, ouais. Et puis, bien sûr, le tout premier qui a été annoncé, Slay the Spire 2, là, ils ont mis juste 2025, mais celui-là... Ouais. Et pour l'accès anticipé, en plus. Je viens de regarder Kill Knight, en effet, Spooky qui en disait plus. Alors, c'est pas du tout un roguelite, donc ça commence à me parler. Hack and Slash, tir vu du dessus. Donc ça commence à... Si, en plus, je suis bête, oui, effectivement, il y avait du shoot. Ça commence à me chauffer, là, le Kill Knight. ouais, ça arrive sur Switch en plus. Plein de trucs qui me plaisent. Et ce truc-là, Undermine, c'est... Non Oui, non, ça pas du tout. Ah, ok. Ça, pas du tout, du tout. J'ai lu ce qu'il disait du premier. On est sur du roguelite très efficace, mais si t'es pas un grand amateur de roguelite et qui n'est pas toujours en manque de roguelite, je pense que... C'est possible, ça ? Est-ce que c'est possible, déjà, d'être en manque de roguelite ? Je suis pas sûr, en vrai. Ouais, voilà, enfin... Ah, okay. c'est un limbo inside-like, Never Alone. Ok, donc un cinématique platformer. Eh bien, moi, je vais aller regarder ça, voilà. Je ressors de cette conférence avec un vieux jeu à aller regarder. C'est ça. Non, je fais du mauvais esprit. Non, il y a carrément des bons trucs.
pour avoir ma liste. Le chat, vous remontez, vous regardez le message de Chozo et vous retirez les chats. Ce qui dit que j'aime pas les chats, ce qui est totalement faux. J'adore les chats. Mais je garde un esprit critique. Il suffit pas de me mettre un chat. Et donc du coup, Slay the Spire 2, Broken Roads, Hyper Light Breaker, Mouse parce que ça me fait marrer, juste parce que ça me fait marrer, hein, j'y jouerai pas. Et le dernier Prince of Persia. Et donc le Never Alone 2. Ouais. Voilà ma liste. C'est pas si mal finalement. Non, c'est pas si mal. Et puis moi j'en rajoute un paquet en vrai. Voyez, je rajoute Cataclysmo. À tous les trucs dark. ouais. Alors oui, ou pas forcément. Hein. Donc le Kill Knight là. Le jeu de Pastèque Games, mais bon, lui, on... Ah, mais si, What the Car! Évidemment! Ah, mais oui, oh là là, on est nul. En fait, faut regarder. Oui, oui, mais bien sûr. On a besoin de re-regarder le truc en intro. Ouais, What the Car, mais carrément, mais oui, totalement. Ça a l'air totalement marrant. Moi, je vais devoir vous abandonner, et puis toi, du coup, t'as pas le choix. Bah oui. Vu que c'est moi qui diffuse. Ok, ça marche. Bah merci d'avoir été avec nous, c'est cool, c'était cool, ouais, j'espère que c'est top. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, vous avez fait votre petit marché. Bon, Switch, on va pas récupérer grand chose pour l'instant, mais bon voilà, faut suivre. Oh bah le What the Car, il peut arriver vite sur Switch. Oui. Par exemple. Et le Kill Knight aussi, hein, visiblement, je vais arrêter de le dire, mais... T'as trouvé ton truc. Mais laisse tourner avant de rendre l'antenne, laisse tourner le trailer jusqu'à la fin. On va voir la date et les jeux prévus, et puis on peut se quitter là-dessus. Yes. Ouais, merci Scott. Merci Spocky, et bonne soirée à toi aussi. Ouais, merci à tous. Bonne soirée. À très vite. On se retrouve très vite. Hein. Moi, en live la semaine prochaine. Puis Payo, très vite aussi, vous allez le retrouver. Allez. Oui. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, ciao, merci ciao beaucoup. Payo. Merci à toi d'avoir salut, été merci là. Tine. Ciao, un ciao. Plaisir, comme d'habitude. Salut. Et c'est